Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour le 20e épisode de Tropico 5, le Toucan Maltais, avec le DLC espionnage. Alors voilà, une petite vue, là je sais pas ce qui s'était passé d'ailleurs, j'arrivais même plus à bouger dans les épisodes précédents, j'étais un peu embêté, mais voilà, on peut aller dans tous les angles, c'est magnifique. Donc je pense que ça va être le dernier épisode, il va être un peu spécial, un peu plus long, je vais le monter, mais j'ai envie de terminer la série, c'est pas parce que j'aime pas le jeu, mais je pense que 20 épisodes c'est un chiffre qui est raisonnable, et puis on va faire en sorte de terminer sur une bonne note, parce que là je pense que si j'arrive à donc importer pour 100 000 de marchandises, et bah ça sera gagné, j'espère. Sinon, s'il y a encore une mission dans la campagne, et ben, on la fera évidemment, on va pas s'arrêter là. Mais je pense que c'est la dernière, et puis on va faire un épisode plus long dans ce sens-là. Alors, reprenons les affaires. Où on en est? On a 10 000 en stock, il y a le de bateau qui en avait 21 000, ça va bien. Un petit tour à l'almanach, comme d'hab. Donc, on voit qu'on est toujours mauvais, le logement ça pourrait être mieux, mais j'ai un très bon soutien à la population, le travail ça va. C'est pas trop mauvais, très franchement. Nourriture, on est bien. La santé, on a connu pire. Divertissement, je peux construire 2-3 bâtiments de divertissement en plus. On a toujours les deux mêmes pauvres trucs, le restaurant. Et puis, on va faire encore un bar. Un pub, en l'occurrence. Allez, ici. Ok. Ensuite, exporter de la viande, ça roule. Les navires commerciaux, c'était déjà quoi? Avoir 10 navires. Ah oui. Donc il faut que je construise des cales sèches, c'est ça l'histoire? Ah oui, j'avais dit que j'allais regarder avant le prochain épisode comment ça marchait. Bah j'ai pas regardé, voilà, bah, pendant une coupure je regarderai éventuellement. Alors les navires commerciaux naissent ici, puis sont lâchés dans le grand bain de la vie. Alors, ici on avait le commerce, est-ce que... Non, on n'a pas accès à ça. Est-ce que j'ai des bateaux en plus? Non, j'ai un seul navire et j'importe du fer du Venezuela, d'accord. On verra. Ce dont j'ai besoin, bah, j'importerai, donc il faut que j'aie plus de navires. Mais ce que ça veut dire, pour faire des navires commerciaux, qu'est-ce que je dois faire? Chaque dock, ah c'est chaque dock. D'augmenter le nombre de navires que je possède. Donc on va faire encore une cale sèche. On a l'argent pour, ça va. C'est dans un... les infrastructures, ça. Dock, oui. Ah bah du coup... on va se mettre ici... Ouais. Je vais en faire deux. C'est magnifique. Alors, une route. Non, si je fais comme ça. Non, ça va trop là. C'est n'importe quoi. Voilà. Ok. Mais pourquoi il met la souris? Non, je vais pas passer une route, voilà, c'est bon. Ok. Là, on devrait avoir des navires en plus. Donc, il faut que j'aie des choses à exporter. Il y avait l'or. C'est ça, l'or. Et l'or, il me fallait la joaillerie. Est-ce que c'est une histoire de recherche? Je l'avais déjà, il me semble. Ou c'est plus loin? Pot de vin, truc qui brille. Bah oui, c'est dans 12 mois. Bon, bah voilà, on a la réponse. Ok, bah écoutez, je crois qu'on va se retrouver dans un petit moment dès que les revenus sont encore un petit peu augmentés ou s'il y a quelque chose de spécial. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est 5 minutes plus tard. Là, j'ai construit des quais de pêcheurs en plus, histoire de faire avancer la mission d'exporter du poisson. Et comme vous l'entendez... Ok, génial. Allez, ta gueule. Bon, j'ai fait l'usine de Jairi, vous avez compris. C'est dégueulasse. Donc là, j'ai des docks en plus, mais je me demande si je dois pas construire des cales sèches pour avoir encore plus de bateaux. Là, j'ai 3 navires de commerce. Pourtant, l'exportation... Ça augmente pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais amener dans mon île de sympa? Sucre, du tabac, j'en fais déjà. Cacao. Cacao, c'est sympa, ça. De quoi j'aurais vraiment besoin? Allez, du cacao. Ah, mais j'ai aucun navire qui est...
qui est dispo là. Enfin, qui est mis sur une mission. Qu'est-ce qu'on va se prendre en plus? Allez, du charbon. Non, du charbon, j'en ai déjà. J'ai du tissu. Ça coûte cher, ça. Des planches. On va plutôt prendre de la nourriture. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, un peu de maïs. Bon, ça n'a pas monté très vite, hein. Vu le prix que ça coûte, il faut aussi que je prenne des choses... Voilà. Allez, on va voir comment ça monte, à quel rythme. Bon, j'ai que 19 000, hein. Faut que je fasse attention, mais... 8 000... 0... 0... Bon. C'est pas non plus fantasmagorique. Mais j'ai les unes déjà aéries, maintenant. J'ai fait des ranchs en plus pour... l'histoire de l'exportation de viande. Ça me donnera des relations en mieux avec les des relations en mieux, vous m'avez compris. Ce sera la balle avec les militaristes. J'ai des puits de pétrole à gauche à droite. D'ailleurs, je suis en train de rechercher socialisme. La banque. Les militaires. Et puis le pétrole. C'est à partir de la guerre froide. Puis quand j'arrive en guerre froide, ça je sais même plus. Je ne sais même plus. Peut-être quand j'ai fait toutes les recherches. Ok, je pourrais faire maintenant des maisons. Un petit peu. Là, ça pêchait un petit peu. Et j'arrête de dire un petit peu maintenant. Alors, on va en mettre ici un certain nombre. Ouais, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Toujours 82. Là, je suis en négatif. Ça faisait longtemps que j'étais plus en négatif. Ouais, ouais. J'ai peut-être été un peu gourmand, là. Peut-être été un tout petit peu gourmand. Ah, il y a la cale sèche améliorée que je dois faire aussi. Hein, des citoyens arrivent. Ouh là, ça se creuse, évidemment, parce que là, je suis en train d'importer. Ouais, évidemment, ça monte un peu, mais est-ce que j'ai vraiment les moyens? Pas sûr. Ah, 25 000, ça va. Allez, on va tenir le choc. J'ai amélioré aussi là les usines. Je consomme moins de matières premières. Je pourrais refaire encore une usine à la limite. Là, je crois que je vais faire moins d'exportation. Ça va pas aller. Les trucs qui coûtent le plus cher. Du coton. Je vais le retirer. Tac, 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 fer. Voilà, oui, c'est là, retiens. J'ai deux navires sur trois. C'est plus sage comme ça pour l'instant. Le temps que ça remonte. Ok, ok. Là, c'est déjà quoi, ici? J'ai une mission plus qu'à peuper. C'était ça, le bruit. Du fer, ok. Je suis à moins 8000. Pas top. Ah, top. Bon, bah écoutez, on fait encore un petit bond de quelques minutes et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah on se retrouve encore 5 minutes plus tard, un tout petit peu moins, parce qu'il y a des nouvelles élections, on sait jamais. Je me représente comme d'habitude. Niveau fric, ça va un tout petit peu mieux. J'ai annulé finalement les importations. J'ai diminué des salaires un petit peu à gauche à droite. Et on arrive à se remettre gentiment à flot, ce d'autant plus j'ai une nouvelle usine de cigares ici. Donc j'espère qu'avec ça, ça va aller, même si là je suis de nouveau en négatif, mais là c'est bon, je remonte à plus de 10 000, mais ça descend vite, hein. Ça descend très très vite. Les autres docks se remplissent un petit peu, mais pas trop, surtout celui-ci. J'arrive à me faire à peu près 8 000 dès qu'il est plein. Là pour les élections, comme d'hab, j'ai ma popularité qui descend, histoire de mettre la pression, je pense que je vais pas perdre 17 points là. Là, les gens m'aiment maintenant, c'est acquis. Almanach, comment ça a évolué? Logement, c'est vrai, ça a un peu diminué. Hein. Ouais. Allez. Je vais laisser remonter un peu, je vais faire quelques maisons. Au pire, j'ai des décrets, si vraiment ça chute de manière catastrophique. J'ai fait une nouvelle petite caserne au passage, là, avec un peu de tabac en plus. Ok, 9000, ça remonte bien. Lui, il est à 16000, et c'est pas ce bateau-là. 800, il décolle pas des 800, 5000, ouais. C'est pas encore la joie, hein. Pas encore bien la joie. Hop là, je glisse de ma chaise, j'étais affalé.
Raison pour laquelle je veux pas de facecam, hein. Ça serait vraiment impitoyable. Ok, ça roule bien ici. Au niveau de la recherche, on est... Ouais, d'accord, comptabilité, pas de main. Je suis jamais allé jusque là-bas. Il faudrait que je fasse une partie bac à sable pour faire toutes les recherches. Ok, alors ça se maintient au niveau des élections. 18 000, je vais faire quelques maisons. Mince. Et bam. Que j'ai lapin. Non, maison, allez. Un, 8 000, j'en fais encore deux. Et là, je suis à 12 000, 15 000. Ouais. Ça a bien grévé mon budget. Mes chamans. Mais c'est sympa, Tropico, là. Regardez-moi, là. Posé, tranquille, au KLM, comme disent les jeunes. Petite tequila. Magnifique, ville. Allez, on se remet dans la vision standard. Moins 15 000. Ah, il arrive dans un mois. Nous avons une chance d'influencer les résultats. Oui, c'est bon, là. On a même regagné un point. Peut-être parce qu'on a amélioré le logement. Même pas tant que ça. Il y a combien de sans-abri, d'ailleurs? Tac, tac, tac. Hors main 2. Ah, il y a quand même du chômage. Hein. 26 sans-abri. On a connu pire, hein. Famille SDF 18. Après les blagues, nous avons réfléchi à utiliser les... Ah, la banque. Qu'est-ce que ça fait déjà? C'est pas dans résidence, tourisme, bien-être média. Non, recherche éducation. Économie, bah oui, c'est pas logique. Appliquer un taux d'intérêt sur l'argent du trésor. Bon, allez, on va le construire. Hop là. Peut-être dû attendre, en fait. Présidente, c'est la fin de ma carrière de présentateur météo. Je regrette le peu que c'est Sony qui est en charge de la météo. Nous savons les résultats. Voilà, magnifique. Ah bah magnifique. Une tornade. Rien que ça pour fêter les élections. Bon. Qu'est-ce que... Bâtiment dommagé, réparé. Mais il est foutu. Oh purée. Mais franchement, ces jeux... Yes, oui, de nouveau au top. 5 citoyens tués, 2 bâtiments dommagés. Précision, les plouilles. Ouais. Avion mélomane. Réparé. Le concert d'Alizé est annulé pour... Présidente, nos marins ont apparemment découvert la cité engloutie de Relay. Nous devrions envoyer quelqu'un saluer ses habitants. Allez, on va envoyer un membre de la dynastie. Ok. Bon, il fait pas beau. Et ça, on avait dit... Réparé pour 3000, hein. Je suis à moins 2004. Excellent. 23 000. Il arrive dans un mois, c'est bon. Caisse noire. Ouais, non, c'est pour avoir du fric sur son compte en Suisse. Ça m'intéresse pas trop finalement. Ce que j'ai à faire là, maintenant il va falloir... Il me reste plus que 80 000 à importer. Si mon économie pouvait décoller un petit peu, ça m'arrangerait. Le pétrole, ça aiderait. Les membres de votre dynastie est revenu de la cité engloutie de Relay. 10 citoyens éduqués. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour me faire du fric? 4 pêcheurs contre bûcherons. Industrie, textile. À partir du coton. Ouais, puis je pourrais importer du coton. Pourquoi pas? Allez, là au milieu. Bam! Moins 3000, c'est parti. Et puis la viande, ça importe ou quoi? Consommation locale, non. Consommation locale, non. Bah voilà. Et puis c'est des bovins, c'est parfait. Oh, moins 12 000, c'est bon, c'est en train de remonter. Là, je suis à 14 000. 4008, ouais, bah il a déjà pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ok. Bon bah écoutez, on va refaire un nouveau petit cote. Hein. On se retrouve dans un petit moment, à tout de suite. Alors on se reprend maintenant. Quand je vous dis maintenant, en fait ça fait
48 heures qui sont écoulées parce qu'en plus le jeu a planté. Et puis entre temps j'ai même updaté Windows à la version 10. Je sais pas si j'ai pas fait une grosse bêtise, mais tout a l'air d'un petit peu mieux fonctionner de mon côté. J'ai remis une résolution à fond, j'espère que ça a pas planté comme avant. Peut-être que maintenant ça va résoudre des problèmes, ou alors ça va être bien pire, j'en sais rien. En tout cas, ça fait quoi, 3 quarts d'heure que je joue maintenant, parce qu'on s'était quitté en 1950 et là on est en fait 6 ans plus tard. J'ai pas fait des grandes choses, il y a eu bon, l'élection, vous l'avez vu en fait, c'était juste avant. J'ai surtout construit beaucoup de logements. J'ai également optimisé ce bâtiment parce qu'il produisait à peu près 20 de production mensuelle. Et là, on est à 800 parce que j'ai simplement construit des champs de coton qui l'approvisionnent. Et puis de profit rachitique, il m'a fait beaucoup de fric. Et ça a beaucoup mieux niveau fric. D'ailleurs, c'est pas encore ça. Mais ouais, là, je me fais dans les 23 000, dans celui-ci, la 7 000, la 8 000. Et puis, on est bien remonté dans le positif. Je vais encore faire une ou deux maisons parce que j'ai encore quelques sans-abri. Je voulais essayer de faire aucun sans-abri, histoire que tout le monde soit content. Là, je suis à 80%, j'ai plus que 17 sans-abri. Le logement s'est nettement amélioré, mais c'est pas encore tout à fait ça. J'ai fait des maisons et puis aussi maintenant pas mal de cages à lapins. Ma foi, vaut mieux habiter dans une cage à lapins que dans la rue. Allez, une quatrième et puis on va se laisser maintenant un petit peu progresser. Au niveau de la recherche... Je suis arrivé tout au bout là. Maintenant il faut la prochaine ère, la guerre froide, et je sais pas comment ça va se déclencher. À ce sujet, je me suis mis plutôt bien avec les deux puissances. J'ai construit une deuxième ambassade, je suis, enfin plutôt bien, neutre avec les alliés et puis neutre avec l'axe pour l'instant. Donc chacun dans une ambassade. Là on est 30 kilos avec eux, j'ai suffisamment de soldats. Les gens sont plutôt heureux d'une manière générale. Là je devrais me refaire niveau argent, ouais il y a 30 000. À dispo, là ça a été vidé et là il y a 15 000, donc on va remonter dans les 45 000. Donc le but du jeu maintenant, ça va être, ah bah tiens, des navires commerciaux. Si j'en ai 10, en là je gagne quoi? En utilisant mon cerveau désormais chaque supérieur navire, et ma connaissance du futur, il essaie ce qui peut rapporter gros. Ouais, laquelle sèche améliorer, ça me le commerce à l'exportation. Mais dites donc, et toutes les améliorations, oui, alors comment, oui, ça j'avais déjà regardé, mais évidemment j'ai oublié. Donc, coque renforcée. Ah, c'est bien ça. Et puis, charpentier de marine, ouais. Hop là. Du coup, on va gagner plus d'argent. Même si là, ça m'a coûté relativement cher, mais c'est quand même assez énorme les bonus que ça donne. Donc, c'est cool, on va avoir plus de navires commerciaux. Si je regarde dans le commerce maintenant, ouais, j'en ai 6. Donc, c'est bien, ça me fait progresser sur ce point-là. Mais là, je suis quand même en négatif. On va voir ce qu'il y a comme autre quête encore. J'attends de voir comment ça monte, mais là c'est plutôt bien parti. Là ça construit. J'ai construit une mine de charbon en plus. D'ailleurs je me disais que là j'ai du fer et de la bauxite. Pourquoi pas? On va voir juste que je me remette en positif. Oula, 60 000, c'est en train d'exploser les profits là. C'est bon ça. Allez, je vais en profiter pour mettre deux mines. On se fait pas chier. Voilà. Même si ça mange un petit peu sur le champ. Là j'arrive, non? Non, ça fait un angle. Caca boudin. Ah, allez, passe! Voilà. et puis toi, tant pis, dans le champ, yolo. Voilà. Presidente, les tropiciens attendent les élections. Ouais, je suis à 80%, j'ai jamais été aussi bon. Alors, 33 000... Ok, là on a 2000 en plus. Ouais, 6000, 12000, 15000. Waouh, ça décolle. Je vais faire encore 2-3 cages à lapins. Faudrait que je mette des divertissements dans le coin. Allez, 3 cages à lapins. Et puis ça devrait suffire. Il me reste plus que 16 sans-abri. Et c'est même pas rempli à fond. Donc nickel. Peut-être que je devrais faire des maisons aussi un petit peu par là. Allez, on va prendre les quêtes qui restent. Le monde est en guerre. Avoir une base militaire. Je ne suis pas un Il me semblait que j'en avais déjà une, non? Elle est où ma base? Oui, justement, voilà, ça c'est fait. Donc ça me fait 8000 en plus. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on a là? Camarade Presidente. Construire deux cages à lapin. Ouais, là j'en ai fait... genre plus qu'assez.
Voilà une politique rondement menée. Qu'est-ce qui se passe ? Tous nos problèmes devraient être résolus à présent. Sauf que non, bizarrement. Il a peur de la peine, faut qu'ils arrêtent. Alors, envoyer un membre de la mise 1, 31 avec les alliés, envoyer un pour piller, envoyer pénultimement. Oh là ! Non, allez, pas déconner. Toi. Ok. Donc là, j'ai pas mal d'argent, je vais peut-être pouvoir commencer à... Ah, puis là, qu'est-ce que je pouvais enlever comme malus ? Les prix à l'exportation, bâtiments industriels... Ah, les prix à l'exportation. Bâtiment résidentiel. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais, et puis là, j'ai 40 000. Ça se passe plutôt pas mal du tout. 24 000 en attente. 11 000. Ah ouais, il a déjà tout pris, puis c'est déjà au taquet. Ouais, ça tourne cette affaire, ça tourne. Je vais peut-être faire un autre doc, du coup. On va peut-être se faire un autre doc. Voilà, ici. Ce sera pour les navires commerciaux. Et puis, si ça continue à bien tourner comme ça, je vais peut-être... Qu'est-ce que je pourrais me faire comme bâtiment industriel ? Réfléchissons. Dans le luxe. Usine de distillerie de rhum. C'est bon, ça. Ça me plaît. Allez, on va faire ici. Et puis, il faut du sucre. Alors, le sucre. Et s'il y a des bonnes terres ? En plus, s'il y a des gens, c'est parfait. Voilà. On va en faire deux. Plantation. Mais en travers, comme ça. Voilà. La route. Ne pas oublier la route. C'est toujours important. Voilà. Aïe, aïe, y'en a. Non. Non. Non, tu veux pas ? Comme ça ? Oh, ça m'énerve, ça ! Je dois faire un truc moche. Bon, voilà. Le mec, il devra faire tout le tour. Il dit, non, il manque un millimètre, là. Ah ! Bon, tant pis. Je peux toujours pas le pétrole. Je sais pas comment on peut passer d'une ère à une autre. Il me semble que... Est-ce que c'est un bâtiment qui me manque ? Bon, en tout cas, on va avoir du rhum pour patienter, c'est déjà ça. Je pourrais activer des constructions rapides. Non. Quoique. Ah oui, j'ai plein de fric. Hein. Allez. Ah oui, ça coûte 20 000. C'est pas grave. Nous avons une chance d'info. Ouais, on peut vendre sans tricher, c'est clair. Alors, navires commerciaux, ça c'est en faisant des docks. Je pourrais faire une cale sèche aussi. On va construire encore une cale sèche. C'était où, merde ? C'est dans commerce. Ou économie. 12 000 ? Ah non, on peut en faire qu'une seule. Bah tant pis. Nous savons les résultats des élections. Trop fort, j'ai même pas regardé. Tellement confiant. Sans abri, 23, ça monte, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours... bientôt 700 habitants à Tropico. D'ailleurs, de quoi il manque le plus, là, maintenant ? Ouais, c'est toujours le logement, c'est fou, pourtant, j'arrête pas. Je n'arrête pas. Et puis, dans les décrets, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que... Recensement permet de construire... Allocation logement, réduit le bruit... Industrialisation... Non, ouais... Ah, les programmes d'alphabétisation. Ça me plaît. Et puis, on va faire quelques maisons. On va arrêter avec les cages à lapins. Où est-ce que je vois des bidonvilles ? Il n'y en a plus beaucoup, hein. Pour être franc. Allez, ici. Deux petites maisons. Là, il y a des bidonvilles. Deux petites maisons. Et là, il y en a encore. Et hop. Voilà. Allez, maintenant, on laisse filer un petit peu le temps. Navires commerciaux 8, il faut que je fasse encore un dock, c'est la prochaine construction qu'on va se faire là, je crois. Je sais pas si j'arrive à remplir tous ces docks, hein, du coup. 37 000, waouh, putain, comme ça y va. Ouais, est-ce que je pourrais mettre un directeur sympathique, j'en ai écologiste altruiste.
Stratège, bâtiment général, plus résistant contre les attaques manœuvres. Ouais, allez. Ouais, mais quand le budget est au maximum. Le marché libre a été libéré de ses chaînes. Il vient tous nous détruire. Très bien, excellent. Bon, moi j'étais en train de choisir un petit directeur, je pense. Allez, on va miser là-dessus. Un magna. Et puis, on va mettre le budget au maximum pour tous. Donc, oula, ouais. Tous les 4 mois, ça va défiler. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai assez de routiers? Peut-être que ça pourrait encore augmenter. Je ne sais pas. En tout cas, 83% de satisfaction, ça augmente. Est-ce que j'ai des mines à exploiter dans le coin, là? Là, il y a du charbon. Est-ce qu'il y a plus proche encore? Donc, on a fait ces deux ici. Non, il n'y en a pas d'autres. Pas dans le coin, pas si proche. Non, là derrière non plus. Ça, c'est quoi? Bauxite. Bon. Du charbon. Pas de quoi fouetter un chat, du fer. Ouais, je vais laisser ça tranquille. Au niveau de l'industrie. Fromagerie. Ouais, textile, ça peut être... Non, la conserverie, j'en ai pas. On va faire une petite conserverie dans le coin. Et puis, on peut mettre dedans... Je crois que j'ai déjà des ananas, mais on va diversifier un peu. Plantation de du café, ouais, ça rapporte pas trop mal. Oh, là, il y a des très très bonnes terres à café. Alors... Ici... On va faire comme... Ah mince, je croyais que c'était sur contrôle. Je voulais en faire genre 3. C'est peut-être alt. Ouais, c'était alt. Voilà, on va relier tout ça maintenant. Oh, je suis à 44 000, je suis en train de me faire les couilles en or. Voilà, tout relié. Puis on va même pas s'embêter. Construction rapide et construction rapide. Et je me fais 2-3 cages à lapins à côté. Parce que... Il faudra du monde. 1, 2, 3. Puis comme on se fait un peu chier dans le coin là, on va se mettre un restaurant et un pub. Voilà. Ouh. Puis juste après, on va se faire encore un petit dock. Ouais, ça tombe bien, là, il y avait des bidonvilles qui arrivaient. Est-ce que ça se remplit? 33 000. Bam. 5 000. 900, bof. Et 16 000. Je crois qu'en fait, les marchandises, elles se mettent au dock le plus proche. C'est vrai que celui-ci, peut-être que là, il y a beaucoup plus de marchandises à forte valeur ajoutée dans cette zone. Quoique, là, il y a les cigares. Bon, en tout cas, l'aspect cétacé, elles vont rentrer maintenant. C'est bon. Ouais. Là, ça va rentrer. Ok, donc ça, c'est le sucre qui va alimenter notre distillerie, conserverie, qui n'est pas encore construit. On va le mettre en élevé. On va pas l'accélérer, 11 000, là. Donc, et puis ça, ouais. Ouais, non, on va laisser construire aussi comme ça. Et dans notre almanach, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Sans-abri 34, c'est quand même fou, hein, j'arrête pas de construire et le nombre de sans-abri augmente. Bon, vous savez quoi? On va se laisser encore 5-10 minutes là de cut pour avancer un petit peu, histoire que je me fasse vraiment beaucoup d'argent et on va commencer à importer comme des petits cochons. A tout de suite. C'est une grosse bague, président. Bon, on se reprend maintenant, j'ai un tsunami qui me tombe sur le coin de la gueule alors que j'étais gentiment en train de remonter comme il faut la pente, là, tranquille, ça fait 30 minutes, j'allais nous bientôt reprendre d'ailleurs. Nous sommes vivants, Presidente. Oh, ça va. Il n'est pas sympa que nous pourrions survivre à cette bague. Bon, ça aurait pu être pire. Hé, où est-ce que vous allez? Alors, pour reconstruire. Allez, tout le monde en sort. Bon, ça va, je suis dans le négatif, mais bon, entre-temps. J'étais en train de construire ici plusieurs ranges pour faire du porc, pour alimenter ma conserverie, pour faire des bonnes conserves de porc.
Et pour ce faire, normalement, on peut faire que du poisson, des ananas et du café. Il faut mettre amélioration, autoclave, haute pression. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième conserverie. Et puis, on va en mettre aussi hein, d'autoclave. Comme ça, là, j'aurai 4 ranchs avec du bon porc tropicain pour l'alimenter. Des maisons en construction. Là, j'ai fait encore plein de cages à lapins, finalement. Ce qui me permet d'avoir... Oh, 33 sans-abri, j'étais plus qu'à 16. Mais bon, la population augmente. Ce que je comprends pas, c'est que je suis pas plein. Hein. Peut-être que je... Hey, je vais faire le fou. Allez, on va même baisser... ah non, ça baisse le budget. Ça baisse pas le loyer. Ce que je pourrais faire, c'est dans les décrets, ça. C'était où que j'ai vu ça? Allocation logement, ouais. Réduit la richesse requise pour vivre. J'espère que ça va pas trop me foutre dans la merde. Histoire que... Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête d'enlever tous les sans-abri. Et je me suis dit que tout le monde en bénéficierait, l'économie irait mieux. On va voir. Il y a quand même ici des bidonvilles à gauche à droite. C'est peut-être simplement parce qu'ils sont pas assez payés. J'ai quand même baissé les salaires. En tout cas pas pour les dockers. Ils sont pleins aux as, les mecs. Ok, 11 000. Est-ce que ça rentre comme il faut, tout ça? Parce que moi, je voulais lancer, en fait, des grandes opérations d'importation. Mais du coup, là, avec tout ce que j'ai fait, il va falloir attendre le retour sur investissement. Tout ça n'est pas encore construit. Et je suis déjà en négatif. Ça descend vite, hein. Ouh, comme ça descend vite. Allez. Là, oh, j'ai pas grand-chose. Là, il vient de partir. Un peu énervant, ce bruit. Chez vous, la corde. 13 000. Ouais. En tout cas, des maisons, là, il n'y a plus que ça. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a ni pas de viande, pas d'ananas, pas de poisson. Je pourrais faire des pêcheurs, tiens. Ici, il y a moyen de faire. Bon, faut dire que là, c'est pas encore construit. Je suis bien dans le négatif, hein. Pourtant, là, j'étais en train de me faire des couilles en or. Faut dire que j'ai énormément investi aussi. Alors, pêcheurs. Ouais, on va se faire ça comme ça. On passe par là. Et là, on est bien. Ok. Et là, la conserverie, est-ce qu'elle va se relancer? Ah, voilà, il y a de l'ananas qui a été livré. Donc, tout devrait se relancer incessamment sous peu. On va augmenter le budget. La conserverie, j'ai quand même bien investi dans cette filière. On va essayer de l'optimiser. Voilà, quelqu'un en plus. 3000 boîtes de conserve sorties. Ouais, c'est pas mal. Bon, les profits totaux, ils sont assez ridicules. Hein. Je suis tout déçu. Je pensais que j'allais me faire plus de fric que ça. Ok, bon. Bah, on va laisser ça de côté. Voir si je... Avec quoi je pourrais... Pourquoi j'ai pas accès au pétrole? Je sais plus comment on faisait. Est-ce que je devrais voler mon moniteur? Dévoiler les secrets des alliés. On va essayer de faire ça. Alliés, dévoiler secrets. 60%, ajouter un espion. On va tous les mettre dessus. Voilà, ça va être réglé en 10 mois comme ça. Excellent. Agent vert, agent opérant, agent luchador, agent blabla, agent aigrette, agent espion. Putain, les mecs. Oh là là. Bon, dans 10 mois, donc on est au mois de mai, 5. Ouais, ce sera. Pour dans pas longtemps. Excusez-moi, je suis en train de bailler. Il est dimanche. Je suis sorti hier soir. Aller voir un concert. Un petit peu la tête dans le sac, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je suis à moins 11 000, ceci étant dit. On a une petite quête. Un roturier est venu frapper à ma porte. Très bien. Mais il faudrait que j'aille un peu plus d'argent, du coup. Et là, je suis un petit peu énervé parce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui manque? Il y a du café, l'ananas, boîte de conserve sortie. Ils ne produisent rien parce que quoi, il n'y a pas de poisson. C'est ça que ça veut dire. Pourtant, là, ça devrait produire, hein. Ah ouais. Ah, je pourrais désactiver... Ah, il faut peut-être que je désactive la consommation locale. C'est peut-être bien ça le problème.
C'est bizarre là, j'avais beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait faux? C'est peut-être cette histoire en fait de loyer qui me fout dans le jus. Je vais enlever. Désolé les gars. Alors, ça coûte peut-être bien plus cher que ce que je croyais. Abroger. J'ai encore des maisons qui doivent être construites là. Est-ce que je devrais faire peut-être un bureau des routiers pour améliorer le flux de transport de marchandises à l'intérieur de l'île? Parce que là, moins 17 000, c'est pas demain la veille que je peux me faire des méga exportations. 17 000. Ouais, que dalle, 4000, c'est à peu près que dalle aussi. Là, il y a que dalle et là, il y a 3000. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui branle, mes amis tropicains? Bon, là, il y a toujours pas de viande et pas de poisson. D'ailleurs, c'est construit, là, le pêcheur? Toujours pas. Allez, un peu plus vite. Je vais faire un bureau des routiers. Tac. Et puis du coup, je vous reprends dans 5 ou 10 minutes, dès que j'aurai enfin stabilisé ça. Et si j'ai pas d'autres catastrophes qui me tombent sur le coin de la gueule. A tout de suite. 4. Alors voilà, on est quelques minutes plus tard, très exactement 9. Et puis, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas tellement de routiers, et puis notamment dans cette zone, donc j'en ai fait plus. J'ai fait des routes en plus, et puis j'ai détruit un dock pour en construire un ici. Plutôt que de faire plein de routiers pour qu'on achemine tout ça là-bas, bah, je préfère que les marchandises soient directement amenées ici. Ça devrait être un tout petit peu plus efficient. On dirait en tout cas que ça marche. Puis l'autre chose, c'est que ma joaillerie, elle ne marche plus. Ça me rapportait beaucoup parce que la mine, elle est vide. Donc ça va me pousser à commencer mes importations. Même si j'ai pas énormément de fric. Donc on va aller voir dans minerai. Importer de l'or du Mexique. Allez, on en met 2. On va voir ce que ça donne. Je vérifie juste si j'ai bien fait, parce que pas beaucoup d'habitude. Donc, ici, du fer, du coton, du maïs, du cacao. Ici, voilà, c'est bien. J'ai mes 2 navires de 1700. On va déjà voir ce que ça donne comme ça. Si, notamment, j'ai de l'or qui rentre, et si ma joaillerie qui est là se remet à fonctionner. Ok. Autrement, ah oui, j'étais en vitesse lente, on est quand même dans les chiffres noirs, ça va un petit peu mieux. Ouais, ouais, ça remonte bien même. 18 000, 900, ok, 4 800, 5 000, pas mal. Il y a eu une élection d'ailleurs entre temps, j'étais descendu à 70%, là je suis à 75%, dans l'almanach. Ah oui, je pourrais augmenter la satisfaction religieuse. Là j'ai quand même du fric pour le faire, donc c'est cool. Bien-être, non, c'est où? Voilà, c'est là. Église, inquisition, je crois que c'est l'église qui a... ouais, on va faire une église. Bah ici, là, au milieu, il y a plein de gens. Donc on est à 3, on va voir de combien ça augmente la satisfaction religieuse. On le met en maximum. Là, ouais, j'ai regardé aussi, il n'y avait pas d'autres mines d'or sur l'île. Donc voyons voir ce que ça donne. Maintenant, est-ce que mon usine... Non, il n'y a toujours rien. C'est où je l'avais mis d'ailleurs? C'est égal ou... En tout cas, je vois pas paraître l'or ici. Est-ce que c'est maintenant? Non, on dirait pas. Cacao, maïs, fer, or. Ah bah oui, on dirait qu'il y a de l'or. On se souvient qu'il m'était sorti pour les deux. Donc dans pas trop longtemps, on devrait avoir la production ici qui se relance, puisqu'il y aura une entrée d'or. A voir si ça marche. Mais je sais qu'il faut être un petit peu patient, il y a une certaine latence. Je me demande si je vais pas faire une fabrique de textile, puis importer du coton et des trucs comme ça, parce que ça, franchement, ça booste à fond. Je pourrais même essayer de la construire par là pour essayer de maximiser un petit peu, je sais pas si j'ai de la place... ces docks qui font pas grand chose. C'était dans... C'est pas dans produits de luxe, si. Ah, industrie tout court, oui. Textile. Ouais, c'est grand. Hein. Ça ne rentre pas. Là, ça va pas, c'est sur la plage. Bon, au pire, je le fais là-bas. J'ai un dock. Hein. Allez, on va se faire ça ici.
Et puis, je vais aller là et demander une importation de coton. On va ajouter deux. Hop. Comme ça, ça devrait être pas mal. Allez, hop. Vogue la galère. L'église est construite. Oui. C'est bon. Il y a des religieux. Est-ce que j'ai un directeur qui pourrait être sympa? Gripsou. altruiste. Ouais, bon, allez. On va prendre ça. Je pense que ça a changé. Satisfaction religieuse, ça n'a pas beaucoup augmenté. Hein. Petite mission catholique. Alors, cette... majuscule. On va faire une mission catholique par là. Une autre ici. Et... Ah non, je peux pas l'alterner. Il me le permet pas. Ici, voilà. Trois petites missions catholiques. On est à 13 000. Allez, pas trop de YOLO. Là, ça produit bien. Est-ce que ça produit tout? Ça produit mieux maintenant. Ah ouais, là, il y a toutes les lignes de production qui sont au taquet. Mais les profits totaux, ils sont pas oufissimes. Ouais. Je me suis emmerdé pour pas grand-chose. Mais bon, on a des conserves de porc. C'est tout ce qui compte. Ah, 200-300 abris par là. Satisfaction religieuse, 11 sur 15. Allez, on va faire péter encore une église. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai besoin d'électricité? Je crois pas. 19 000. Hop, fer, or, ok. Toujours pas. Pourtant, j'ai construit des routiers. J'en ai pas mal hein, maintenant. En tout cas, c'est une fourmilière. Hein. 880 quasiment. Qu'est-ce qu'on a là? Edward Iceman possède les documents de la Bon, c'est cette histoire de détecter des espions étrangers. Ouais, j'ai pas envie de faire des postes de contrôle, ça va me ralentir le flux pour l'instant. J'en vois pas trop d'utilité. Ah, ce dock, il fonctionne bien. Hein. Ouais, je crois que c'était plutôt bien de le mettre ici. Et puis, moi, mes importations, elles sont en train de monter rapidement. Est-ce qu'on se rapproche de la fin? En tout cas, ça descend aussi vite, hein, là, le fric. Le bateau va pas tarder. Est-ce que j'augmente ça? Allez, on va essayer. Augmenter pour tout le monde. Si j'ai un mania en plus. Contre-maître. Efficacité. Ok. Là, on est bien remonté. 58 000 d'exportation. Et là, pour l'instant... Ah, la sauvegarde automatique qui tue. Ici, est-ce que je pourrais mettre un directeur, inventeur, des points de recherche? Ouais, bah, de toute manière, je peux pas avancer. Main verte, stratège. Allez, on va mettre un stratège. Et là, il y a une mission qui a popé, c'est ça? Construire une banque. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Il me semblait que je l'avais fait. Ambassade, non. Usine de cigares. Semblait l'avoir fait. Bref. Je suis presque sûr. Bon, on aura deux banques. Et c'est parti. Ok, j'ai pas mal de fric. 66 000. Ouais, ça augmente là. Et je me suis fixé que c'était le dernier épisode, mais si c'est pas ça, je crois que ça va faire un truc beaucoup trop long là. Voyons voir. Parce que là, ça monte, ça monte. Je crois que je vais pas faire de cut là tant qu'on n'est pas arrivé à cet objectif. Un petit peu de coton qui arrive. La laine, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai, je pourrais en importer d'ailleurs. On va se faire plaisir. Produit industriel, non. L'ananas, poisson, laine, voilà. Ça coûte pas cher en plus. Allez, Bernadette et Antoinette sur le commerce de la laine. Ok, 70 000, ça avance bien. 13 000, qu'est-ce que j'ai là? 10 000, 13 000, 15 000, 20 000. Ah, c'est bien réparti maintenant. Et ça, tous les 4 mois, ils viennent choper. Ça va vraiment me faire pas mal de fric. Donc on devrait... Je me suis peut-être un petit peu trop fixé, on va dire, un appareil de production super performant. Il n'y a peut-être pas besoin de ça. J'aurais pu faire plus vite autrement, en important plus vite que ça.
Et notamment en misant sur le textile, je m'en rends compte, parce que ça fait vraiment du fric. Profit, ouais. 168 de production mensuelle, alors que je peux aller, normalement j'étais à 800 avec l'autre, attendez, allez. Ah ouais, ça a bien descendu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas, on peut faire mieux. Et là, 82 000, ça augmente, bientôt il devrait y avoir du coton. Putain, c'est une véritable fourmilière, il y a des camions qui sortent dans tous les sens. Je crois que c'était bien de miser aussi sur les routiers. J'ai fait aussi une route là pour que ça aille plus vite. Là, je pourrais presque faire un truc. Si je fais une route comme ça, ça m'a l'air presque mieux. Voilà. Je crois qu'il y avait une technique pour les faire droite d'un coup, mais je sais plus comment. Parce que là, je fais un truc un petit peu bizarre. Voilà. Comme ça, fait une petite route, ça bypass un petit peu. Ah, là, je pourrais faire aussi une route qui fait comme ça. Voilà. Voilà, il l'emprunte. Ouais, ça va peut-être encore améliorer. Bon, alors, 33 000, 95 000. Bon, il n'y a plus qu'à attendre, on y est presque. Voilà, petite vue touristique. On va se rapprocher. Alors, on va se tourner. Ah, voilà. J'ai gagné la mission, mais ça veut dire que j'ai pas fini. Je sens que c'est pas fini, mais ça sera pas le dernier. On va voir. Ou peut-être, je sais pas. Quoi ? Le Toucan Maltais ? Jeu gratuit, inviter un ami pour obtenir une récompense ? Bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. je reste un petit peu con. Et vous savez quoi ? Je vais juste voir ce qu'il me dit là pour la suite. Dans les yeux du Toucan, on gagne ou... on gagne pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est quoi cette connerie ? Comme dans tous les jeux, il y a des règles destinées à maintenir l'intérêt. Mais comme dans tous les jeux, il y a moyen de tricher. Maintenant que Penultimo a le Toucan, les choses vont devenir beaucoup plus difficiles. Oh. Mais on peut toujours payer pour gagner. Jeu gratuit. Bon, c'est le nom de la mission. Presidente. Ils sont là pour s'en prendre à moi. Depuis que j'ai touché le Toucan, c'est comme s'il y avait une cible peinte sur mon front. En fait, quelqu'un a vraiment peint une cible sur mon front. Je soupçonne Veronica Beneno. Bon, bah les amis, vous voyez, ça, c'est pas la fin. Bah non, on va pas s'arrêter là. Même si je vous ai dit 15 fois que ça allait être le dernier épisode, bah parce que j'étais persuadé que c'était la dernière mission. Parce qu'on avait touché le Toucan. Donc on l'a touché, mais maintenant il faut que ce Penultimo se fasse pas défoncer la tronche. Bon, bah voilà, alors ça sera pas la fin du let's play. Et je sais pas en combien de temps je vais le faire. Après, pour la prochaine mission, on verra comment elle se présente. Et puis je déciderai au fur et à mesure. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur Tropico 5, le Toucan Maltais. À très bientôt. Ciao !